Donc, on vous dit ici, Bible des peuples, il les a jetés dans les sombres précipices de l'enfer. Dans les sombres précipices de l'enfer, en entendant le jugement. Comment se fait-il que soi-disant, on jette un groupe d'anges en enfer, et que pour vous, l'enfer, c'est le lac de feu, c'est la punition éternelle, on vous jette là-bas dedans. Et ils sont en train de souffrir actuellement. Et à la fin de temps, on les enlève pour les juger encore. Ah oui. Où est la justice des gens? Comment on peut jeter quelqu'un dans une punition éternelle sans juger la personne? C'est les humains qui font ça. Les humains, ils vous jettent même en prison, dans les cachots, même dans d'autres pays corrompus, avant de vous juger. Mais on vous juge d'abord. Et après, vous condamnez. Ça, c'est la loi. On ne va pas vous condamner et puis on vous juge après. On vous juge d'abord et on vous condamne. Or, ici, ces anges-là, on les a enfermés. On les a enfermés pourquoi? Pour qu'ils ne puissent plus faire du n'importe quoi. Donc, on les a mis en quarantaine. Et ils attendent le jugement. Ils attendent où? Dans l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas un lieu de tourment. Quoique là-bas, ils souffrent parce qu'ils ont perdu de la lumière. Perdre la lumière, c'est une souffrance terrible. Ils sont enchaînés. Dans l'enfer, tous ceux qui prêchent l'enfer, cela prouve que vous n'avez, non seulement, vous n'avez pas l'esprit du Père, vous n'êtes même pas inspiré par lui, et vous ne le connaissez pas.